Nous bénissons ton nom, papa, pour ta fidélité, papa, Seigneur, mon père, d'amour, papa, ton électeur, papa, tu connais, Père, papa, tes intentions de tout à chacun, papa. Nous bénissons ton nom aussi, que tu sois loin de nous, papa, que tu balayes, Seigneur, tous les sentiments contraires à l'obéissance, Seigneur, que nous te devons. Au nom de Dieu, Seigneur, du bon, tu demandes, papa, que tu nous appelles, papa, ce que tu fais, Seigneur, c'est l'amour. Chasse la confusion au milieu de nous, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur, et que ta parole nous fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur. Amen. Donc, voilà. Donc, hier, non, en fait, c'était hier ou avant-hier. Hein. Donc, j'ai rêvé, j'ai fait un. Je rêve jamais, moi, ce qui m'arrive des fois, voilà. Donc je dormais, j'ai rêvé, et j'ai rêvé qu'il y avait, je voyais loin, une brebis et un loup. Je me disais, c'est bizarre, une brebis et un loup ensemble. Je regardais, et je voyais que cette brebis et ce loup, ils jouaient ensemble, ils sautaient, ils étaient heureux. Et d'un coup, le loup, ce qu'il fait, se retourne vers la brebis, il essaie de la mordre. Et la brebis, elle se sauve. Mais le loup la faisait aller dans une direction. À un moment donné, j'ai vu un serpent qui a mangé cette brebis. À ce moment-là, j'ai réagi. J'ai essayé d'attraper le serpent pour lui enlever la brebis. Mais le serpent était rapide. Alors, j'ai couru derrière ce serpent. Il est monté sur un mur. C'est comme si une porte s'était ouverte. Il est rentré là-dedans. J'ai mis ma main. Et cette porte était fermée. Je n'arrivais plus à taper cette. J'ai regardé, je me disais, moi, où est-ce qui est passé? Je suis parti de l'autre côté, je ne le voyais plus. Et donc, je me suis réveillé. Je me suis réveillé, j'ai dit, mais c'est quoi ce soir? Ce sommeil, pourquoi j'ai rêvé ça? Et une heure après, j'ai eu l'interprétation du son de Dieu. Là, je veux ouvrir une parenthèse. Si la personne chez qui le bruit provient, si elle peut couper son micro, comme ça, il n'y aura plus d'interférence, quoi. Le temps juste que le frère y partage, quoi. Ou que la personne s'éloigne de là où il y a le bruit. Donc. Quel courage que tu as eu, mon frère. C'est bon, je peux continuer? Ah oui, ok, courage, mon frère. Oui, oui, amen, amen. Et voici l'interprétation que j'ai eue du son de Dieu. Moi, je voyais le loup, mais la brebis voyait une autre brebis. Elle était heureuse. Cette brebis, elle jouait avec ce loup comme si c'était. Un frère, une sœur, voilà, c'était quelque chose, quelqu'un qui connaissait bien, quelqu'un qui était épanoui avec cette brebis à côté. Cette brebis, d'un coup, elle s'est retrouvée, elle a eu le discernement de voir que cette brebis n'était pas une brebis, mais un loup. Et ce loup, dès qu'il s'est aperçu que la brebis, s'était aperçu qu'il était un loup et il a essayé de l'attraper. Et en courant, elle est partie dans la gueule de ce serpent. Alors, l'interprétation que j'ai eue de ça, c'est que le Seigneur m'a montré qu'il y a beaucoup de chrétiens il y a beaucoup de faux chrétiens qui aujourd'hui se mettent parmi nous comme des brebis, mais en fait c'est des loups. Et que là, maintenant, dès que le confinement va finir, nous allons être amenés à des situations où les faux frères, les faux sœurs vont attaquer les chrétiens.
vont nous amener dans la gueule de Satan, direct. Oh là là. Donc, ce que nous devons faire attention, c'est que de faire attention à qui on parle, à qui nous allons parler, d'accord ? Parce que l'ennemi est défini. On est arrivé dans un moment où il va faire de tout pour enlever les élus des mains, les élus pour les amener directement à l'enfer. Parce que avec ce que je vais vous partager ce soir, on est arrivé dans un moment vraiment compliqué. Et tous, nous sommes en train de le voir, athées ou chrétiens, d'accord ? Donc faisons attention, mettons de l'ordre, parce que le Seigneur a dit que nous avons, mes enfants ont un pied en moi et encore un pied dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui ont des contacts avec des personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas d'où ils viennent. Et ces gens-là, c'est ceux qui les ramèneront à la perdition. Donc faisons attention. Faisons attention. D'accord, frère et soeur? Donc le Seigneur nous montre que il y a des faux frères, il y a des gens qui sont habillés en agneau, en brebis, mais c'est des loups. Nous allons dans un monde où les loups sont de partout. Donc, faisons attention et restons à sa parole, d'accord? Maintenant, voilà ce que j'avais à vous dire. Essayez de faire attention, surtout, il y en a beaucoup, des chrétiens qui gardent leur Facebook avec des contacts en Amérique, en Espagne, en Afrique, en Congo, ou je ne sais pas, en Philippines, on ne connaît pas ces gens-là. Essayez de décerner les choses et de faire attention à ce qu'on fait. Parce que c'est compliqué, frère et soeur, d'accord? C'est compliqué, on va être mené dans un monde qui ne nous appartient plus. D'accord? Voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire à rapport au songe. Donc,